crois qu'il a pété une durite, hein. Faut qu'on lui prête un véhicule. Bon, je crois que vous avez un problème. Descendez. Oh les filles, regardez. D'accord. Et pourquoi vous avez ça? Ouais. Désolé, mais je suis représentant chez les calendriers. Bon, écoutez, monsieur, on a dit qu'on allait vous prêter une voiture. Tu sais, Lorine, celle dont on a parlé tout à l'heure. Ah oui, oui, je vois. Ça vous va, ça, monsieur? Bonjour, je suis Sébastien Bruneteau, gérant du garage Bruneteau, agent Peugeot au Bugue, depuis le 1er janvier 2006. Avez-vous toujours voulu faire ce métier? J'ai toujours voulu faire ce métier depuis l'âge de 10 ans. Combien d'années d'études faut-il pour faire ce métier? J'ai fait à peu près 5-6 années d'études et puis après j'ai commencé à travailler à l'âge de 19 ans. Donc, quelle qualité faut-il pour faire ce métier et quels défauts faut-il ne pas avoir pour faire ce métier? La qualité, c'est-à-dire qu'au début, la mécanique, c'était intéressant parce que c'était vraiment que de la mécanique sur l'automobile, et on s'aperçoit que de plus en plus, ça devient compliqué avec l'électronique qui est arrivée dans les années 90, et c'est toujours de la mécanique, mais avec beaucoup d'électricité et d'électronique en plus. D'accord. Et que pensez-vous du métier de garagiste pour filles? Moi, je dis que les filles, elles ont leur chance dans la mécanique, que c'est tout à fait faisable. D'autant plus que, vu que dans l'automobile, il y a de l'évolution avec l'électricité auto, ça peut être de mieux en mieux pour les filles.